Chaque être vivant à la surface du dernier monde possède une âme. Forgée à sa naissance au cœur d'Astral à partir de la foi, elle nous donne l'énergie dont nous avons besoin pour vivre. Sa complexité reflète notre complexité. Ainsi, les âmes végétales sont moins élaborées que les âmes animales, elles-mêmes moins élaborées que les âmes monstrueuses, mais aucune n'égale la complexité de l'âme humaine. Une âme, c'est ce qui relie l'enveloppe charnelle à son esprit, à ses souvenirs et à ses émotions. Voilà pourquoi les espèces végétales n'ont ni les uns ni les autres, pourquoi les espèces animales en ont quelques, et pourquoi les mortels en sont littéralement pétris. Aux origines de la création, les âmes humaines n'étaient pas si différentes de celles que possédaient les animaux, même si elles étaient déjà plus complexes. En ces temps reculés, nous, les mortels, étions certainement les créatures préférées des dieux, et d'Azarine au tout premier chef. Nous devions prendre possession de ce monde, l'aimer, et nous en occuper à son image. Hélas, cet espoir qu'il caressait entre tous fut mis à mal par une terrible décision de Tanit. La mère des dieux désigna les âmes mortelles pour devenir les vaisseaux d'un infime fragment du néant. Une minuscule étincelle noire fut emprisonnée dans chaque âme mortelle à sa création. Le plan de Tanit consistait à altérer chaque étincelle à travers l'existence qu'elle devait mener au sein de la création. Baignée dans la foi, soumise aux contraintes physiques et spirituelles de la vie, les minuscules fragments de néant modifiaient leur structure et leur comportement jusqu'à fusionner pleinement avec l'âme lors de la mort pour ne faire plus qu'un. Si le procédé s'avérait ingénieux, il ne fut pas sans effet sur les âmes mortelles. Elles cessèrent d'être pures et parfaites, notamment aux yeux d'Azarine. Les mortels découvrirent la jalousie, la cruauté, la rancœur, et bien d'autres émotions inconnues des autres espèces. Leur amour pour la création s'estompa avec le temps, et ils ne pensèrent qu'à la contrôler, l'utiliser, la détruire, pour leur propre intérêt. L'étincelle du néant en chaque mortel est ainsi plus ou moins grande, plus ou moins forte, et influence en conséquence ses choix. Mais sa présence est aussi ce qui rend les mortels si aptes à utiliser la magie, dont la nature lui est si proche. Plus que tout autre mortel, les mages sollicitent leur étincelle et renforcent sa nature corruptrice. Voilà pourquoi ils sont des proies privilégiées, aisément corrompues par le néant. Nos âmes imparfaites de mortels, si elles devaient replonger dans le néant, seraient sans doute dissoutes pour libérer leur étincelle afin qu'elle retrouve son état originel. Voilà pourquoi les limbes furent créées, pour mettre à l'abri du néant le fruit d'un labeur millénaire. Par notre existence de mortels, et par-delà notre propre mort, nous contribuons à drainer le néant jusqu'à la victoire finale, où enfin, nos âmes pourront redevenir pures et parfaites, et où nous retrouverons notre place dans la création. Un jour qui verra fatalement la disparition de toute magie dans le monde. Quant aux créatures monstrueuses, leur cas est unique, puisqu'elles ne procèdent pas de la création, mais de la seule volonté d'Aor. Leur âme ne provient pas des forges d'Astral. Elle n'est qu'un fragment de celle de leur dieu, qui se morcelle pour leur permettre de vivre. En conséquence, les âmes monstrueuses retournent à leur dieu quand les monstres trépassent, et ne connaissent ni repos, ni existence après la mort. Elles ne peuvent être contactées, ramenées, ou quelque acte que ce soit, car tout souvenir de leur existence disparaît pour qu'elles puissent resservir. De nombreux cultes monstrueux croient donc en la réincarnation des leurs, et on ne peut pas vraiment leur donner tort.